la prise en charge de patients qui sont dans des situations complexes et difficiles à réaliser en médecine générale. Dans ce contexte, nous avons mis en place dans notre maison de santé le protocole CCC pour coordination de cas complexes. Le médecin va repérer une situation complexe, puis solliciter un autre professionnel de santé pour être le coordinateur de ce cas. Le coordinateur réalise alors une évaluation globale de la situation avec le patient au cours d'un entretien, c'est le BEG. Ce BEG est à la fois l'élément fondateur du CCC, mais également la clé de voûte de la prise en charge coordonnée. Il permet au patient et à la coordinatrice d'identifier les axes à mettre en place, parmi lesquels les axes psychothérapeutiques, le soin, l'éducation, les actions sociales et la culture. Des réunions pluriprofessionnelles permettent ensuite à l'équipe de s'organiser pour articuler, coordonner les différentes actions qui ont été mises en place. Il s'agit donc d'une prise en charge novatrice, centrée sur le patient et ses besoins. L'équipe est personnalisée pour chaque prise en charge. Elle se compose de membres de la maison de santé, mais également de partenaires de proximité. Bilan de cette action, une quarantaine de patients par an ont bénéficié du protocole CCC. Chaque prise en charge a duré en moyenne 6 mois et 4 ou 5 professionnels ont été impliqués. Récemment, une thèse en médecine générale qui évaluait la qualité de vie des usagers a permis de montrer une nette amélioration de cette qualité de vie sur le plan physique, mais de manière encore plus marquée sur le plan psychique. D'un autre côté, le CCC a aussi été très bénéfique à la maison de santé. Il a soudé l'équipe autour du projet et renforcé les capacités de travail en pluriprofessionnalité pour le bénéfice des patients. Suite à une dépression douloureuse, je me suis vue obligée d'aller demander de l'aide à la maison de santé qui n'était pas le cabinet habituel de mon médecin. Un atelier de musicothérapie a été mis en place et au fur et à mesure des séances, j'ai découvert que la vie était en moi et ça a tout changé.